Salutations tout le monde. En tout cas, nous prenons dans le pays d'Haïti, gros manifestation que le groupe politique qui est 509 là a organisé. Monsieur Sayo même n'a pas de parcours. Il a seulement plusieurs branches et il a manifesté. Le groupe politique 509 là a manifesté samedi. Et il semblait que tu es responsable en pile des gars qui fait samedi dans la capitale haïtienne, dans Port-au-Prince. Donc, il a dit environ presque environ une vingtaine de machines. Service est à bouler. Pour qu'ils ont manifesté, c'était demander libération de 5 confrères que le commissaire AI gouvernement de président M. Gabriel a voté dans le pénitentiaire national et a demandé pour libérer M. Basté sous prétexte que prétendre que M. est responsable et cambriolage qui a fait la caille ancien bâtonnier l'autre pour une défunt à bâtonnier l'autre avocat pour le président M. Monfrier d'Orval. Que le patron poursuit, etc. Alors que IGPNS, donc l'inspection générale, a lui-même dit que monsieur commet une infraction administrative, donc il n'a pas demandé à ce que vous voyez en prison. D'après même déclaration que le directeur et l'inspection générale, monsieur Hervé, il baille matin dans une station radio pour l'expliquer. Dans la position que mais lui-même il dit que l'enquête n'est pas à l'échange de fini. Et ils remettent les autorités concernées pour des décisions nécessaires, pour les suites nécessaires. Mais là-dedans, ils ont été recommandés à ce que, pas gain, comme son faute administrative liée, donc sanction par emprisonnement. Donc c'est ça, inspecteur et général là, c'est ça que l'inspecteur général là, directeur, c'est ça que lui dit, sous dossier, M. Sao. Alors, dans la manifestation samedi, étant donné que les dégâts que tu as fait, pour un ministre, tu es obligé de les ministres de justice là, pour te passer commissaire Aïa instruction pour libérer 5 policiers. Effectivement, 5 policiers ont été libérés et ils retournent dans la base qui est dans la base de moi. Je vais me remettre à l'exception générale parce que l'exception générale te dit et commissaire gouvernement, pour nous pas pour qu'on voit monsieur en détention, pour qu'on voit dans prison, dans dépôt. Pas avant que nous finissions avec enquête panouan. Et enquête panouan, d'après ça, le dimanche, il dit enquête là a révélé que M. commet une faute administrative, tout simplement. Mais ce n'est pas un bail que tu fais, c'est pas de gain qui est légal, qui n'a pas qu'à avoir culpabilité, comment bail qui passe à mais une faute administrative. Donc, nous rappelons avec ça. Donc, je dis que M. 509, il est dans la rue aujourd'hui encore pour demander libération de l'autre confrère qui est en prison depuis quelques temps déjà. Et confrère ça lui-même, il est en prison, il a demandé pour libérer lui-même, mais lui-même, dossier par là, il y a le plus de dossiers là, dans main de CPJ. D'après ça que l'inspection générale dit, il y a un dossier ça, dans main. Donc, M. Chout, dans la RDA, puis demandé. Et nous connaissons M. 509, fantôme 509 là, l'air sorti, c'est ça oublié, il n'y a pas fait. Donc, en pile, les dispositions qu'il prend, et le premier ministre, et Joël Jout, il réagit tout. Et il dit tout simplement que lui-même, il n'a pas voulu commettre aucun abus contre les policiers, etc. Donc c'est eux qui ont fait une disposition pour te libérer et 5 policiers. Revendication, c'est libération Pascal, nous m'a dit. Immédiatement. Voilà. Libération Pascal Alexandre. Un policier a arrêté ou mettait dans la pénitentiaire nationale sans raison. Même genre avec 5 policiers ont été arrêtés dernièrement. Donc nous m'a dit libération Pascal. Et ceci, bonjour conditions de travail. Amélioration pour toute population en un mot. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à présent, pas grand Kembe, pas grand bar qui parle pas pour mettre dans la prison. Même si on a pris 5 autres policiers, il y a demandé justice. Si on voulait qu'on ait qu'est-ce qui trouille, bâtonnier, très bien. Il y a pris 5 policiers mettre dans la prison innocemment pour qu'on casse fait couvrir ça. Pour qu'on défende tête. Nous passons si on a fait tort avec la justice haïtienne qui est derrière quoi nous, par exemple, si j'ai empêché de travailler. Très bien, il fait nous tout. Donc, il faut qu'on bagage. Si pas gagne, on va aller à la va les policiers qui sont en prison. Nous allons demander l'autre policier, excusez. Nous allons demander l'autre policier. Depuis les policiers font bagage. Nous avons un SPNH. Il n'y a pas bon 4 blanches pour faire ça. Mais la loi supposée régner pour tout le monde. Donc, pas qu'il y ait une quantité de monde qui vivent pour l'autre quantité même. Il n'y a pas utile rien. Va les policiers, va les autres monde, va les monde belles, va les tout côté qui mourir. Pour que ça passe bâtonnier, parce que lui-même, c'est mon autre monde qui fait mettre toute précision ça. Il y a pas de policiers, après tout le monde. Qui ça fait? Son insécurité programmée. Ça, vous voulez faire. Si vous voulez camper, je dis à camper. Il faut que vous assistez à une fournie.
moun kap, est-ce que on malheureux gen moyen pour acheter zam pour la gaspiller tirer toute journée comme ça pas gen moyen ça donc on y a là mon fournisseur yo pour camper yo pour yo camper yo donc si tu veux comme ça lié y a toujours gain sécurité et nous tout qui met ensemble net pour des pour nous il a dit quelque chose ça moi même fantôme 609 et dans Jérémy tout gain une grosse manifestation tout d'après ça un camarade nous gain qui informe nous une grosse manifestation étudiants écoliers yo prend la rue tout et y aller yo c'est surtout élèves lycéens yo ben libéré yo commencer à laguer et alors le camarade Daryl Mackinson monsieur dit nous et l'école prend la rue mais yo libéré à laguer l'autre élève qui dans notre école tout comme tout ça du fait n'importe quoi tout parce que l'école n'importe quoi qui a manifesté depuis quelques jours mais que les ça même tout les soutiens à libérer l'autre école nous rappelons nous citons qui passe dans Canada et dans notre école par mesure de précaution on sait de l'école qui semble être victime action manifestation écolier qui fait n'importe quoi pour demander qui t'a manifestement des présents professeurs dans la classe de classeur, et bien on sait de l'école, ils ont renvoyé l'activité, bien renvoyé pour demain, parce que je dis à la contre ça pas le gain, ils ont renvoyé pour demain. Et Canada lui-même font fermer tout. Et Canada après nous vit, l'air que ils ont senti que tout va passer. Canada a subi un pile dégâts. En parlant de ça, il y a un commissaire gouvernement qui a annoncé vendredi, il y a 5 mandats que vous mettez derrière, moun yo accusé qui t'a vandalisé. Pendant manifestation écolière qui t'a crasé bah l'école l'autre bagaille. Il y a 5 mandats de moun sa yo et parmi 5 mandats sa yo, il y a 3 qui compte et membre syndicat enseignant yo. Et un syndicat enseignant yo, c'est José Méridien, il y a une qui est le Tiouri et troisième. En tout cas, mandat derrière et c'est mandat d'amener Tiouri, qui c'est un membre du syndicat qui a eu un mandat d'elle là, il était porté tête lui-même là, dans le commissaire, devant le parquet tribunal là. Et là, d'après le commentaire que le commissaire gouvernement fait, il dit lui-même qu'il n'a pas demandé de mon venir à la régime, il ne devait pas recevoir. Ça, il a demandé pour la police arrêter et mener au bal. C'est ça que le commissaire gouvernement dit sous question, elle m'a dit pour arrêter. Alors, dans 5 monde qui ont mandat d'ailleurs, 3 là-dedans, c'est membre syndicat enseignant qui a protesté pour demander un meilleur salaire, une meilleure condition de vie pour enseignants. Comme n'a pas été enseignant, mais professeur et ministre de l'Éducation nationale, là, et José Agenor Kader, mais lui-même, il a une invitation, bail, et syndicat enseignant, pour yon en compte, pour discuter de la situation, pour discuter sur le problème qui gagne. Mais M. le syndicat lycéen dit, comment faire pour vous inviter nous en compte et en même temps demander pour arrêter nous. Donc, ce sont irritants, ils ont demandé pour retourner sur décision, mandat, pour lever mandat, pour qu'on venir à discuter avec le ministre de l'Éducation nationale, là, sur ça, vous voulez, ça, qui ça a besoin, qui ça a de fait. Pour permettre que Timounio retourne dans sa éducation et professeur tout enseignant retourne dans sa éducation à l'enseigner Timounio. Donc, il y a des irritants qu'on y a syndicat posé des conditions qu'on y a avant que la cité a négocié avec le ministre de l'Éducation nationale. Là. C'est comme ça lié. Et bien, on a dit qu'à partir de l'issue de reportage que les médias ont fait, et bien, le secteur commercial là, il a commencé. Mettez prio en goutte, puis il faut là-dedans, mais il y a là-dedans qui quitte option pour client. Si vous voulez payer en dollars américains, vous devez payer en dollars américains, mais vous-même, vous mettez en pile, puis il faut là-dedans, mettez prio en goutte. Pour l'ovin à chez Kounia, mais si vous venez, vous décidez si vous voulez payer en dollars, et tout ça, vous commandez, qui équivalent, soit vous demandez en goutte, comme il y a en dollars américains, et là, ça, moi-même, je vais. Donc c'est ça que les médias sont censés rapporter, que constater d'après le monde que vous voyez sur place. Et puis, dans l'OPC, c'est Office Protection Citoyenne et tout, ils ont une note côté ils déploré ça car l'incident n'était pas samedi et tout des autres qui fait du tout, mais demandé pour que les gens rencontrer avec les concernés et voir qui ont évité j'ai décidé dans ça et passer. Et donc l'autre incident qui passait matin en tout, c'est dans la zone Gomon, côté de la guerre qui est dans la zone. Et monsieur, son zone, c'est dans la zone Gomon, donc c'est Roi Tibonite.
et bien monsieur te a fouillé machine et gon camion qui était censé gagner un bus qui était un passager là-dedans qui t'a pralé Port-au-Prince et gon l'autre machine qui t'a rentré Gomon machine en fait signe retourner parce qu'il y a des autres puis devant et en retour yo dit que yo croisé avec un cortège qui t'a pralé Port-au-Prince avec première dame non et yo retourné suivre cortège ça alors que cortège a pour être garanti sécurité très certainement et ben là revenir dans zone côté des autres d'ailleurs et bien il t'a semblé que chauffeur bus ça pas arrivé traverser cortège a passé des grands champs de tir entre sécurité première dame non avec monsieur ça qui a voué roche même tirer tout parce que il était gain zame tout et bien côté point d'âme dans gueule qui t'en aller nous pas connait si gain blessé sur la base on boucan ta coup d'âme pour te permettre que point d'âme pas en toute sécurité mais autobus ça t'a suivi là que autobus que et est-ce que c'est la source et nous en fait un défaut alors autobus avec passagers là dans l'île ben il arrivé bloqué dans zone là et ben monsieur venir connait il livré coup d'âme sur autobus ça il fait tout passager descendre yo fouiller tout le monde prend tout ça te gain tout document passeport bourse tout ça te gain yo prend yo et autobus arrête là et moun yo était tout bas chauffeur a prend balle et c'est comme ça correspondant et Radio Caraïbe là qui était là et monsieur était dans machine l'objet de la machine qui t'a mené chauffeur soit gomon ou bien gonaïve pour t'a prendre soin et te gain un autre passager encore qui était blessé. Et dans le témoignage que vous avez dans l'interview, le chauffeur a expliqué ce qui passait, c'est qu'il a raconté un incident. Mais lui-même, il dit blessé, il dit que l'aile chapée pour lui tomber, il est tombé dans le trou. Et l'aile se tombe dans le trou, il est blessé tout bas. Et l'aile vient dans le patrou pour lui venir, c'est comme ça qu'il a sorti tête pour lui faire connaître que c'est le chauffeur machine. Et c'est comme ça qu'il a mené l'hôpital. Il a mené l'hôpital. Donc c'est ça que nous connaissons jusqu'à présent, je dis. Alors c'est ça, moi-même, je pour nous. Et m'a campé là aujourd'hui à connait m'a dit non gros merci mais j'espère ne pas son vin découvrir toute dernière actualité sur toute addition dans le monde entier avant on était célèbre et après on fin célèbre et puis garder tout belle vidéo sur rappel acteur modèle comédien politicien athlète et plus toujours dans émission parlant qui c'est Gambaga.